Theta, Theta. T'as vu, c'est encore Theta. C'était quand qu'on avait vu Theta la dernière fois? C'est une bonne question, ça. Je sais plus. C'était, je crois que c'était un des jeux du je sais pas, je crois. Bon, allez, Oui, c'est salut à ça. tous C'est et ça, exact, oui. salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on teste quoi? Chopper Attack? Non, Chopper. Si, Chopper Attack. C'est Bah, Chopper vous Attack. voyez la démo qui démarre actuellement. Un jeu N64 que j'ai pris un peu au pif. Tu sais On connaît quoi? pas ce jeu-là. Apparemment, il avait l'air d'être moyen. Donc, si ça se trouve, ça va pas être drôle. Si ça se trouve, ça va être drôle. Je sais pas. On dirait Donc. un mélange jusque-là, enfin des images que j'ai vues entre. Comment t'avais dit que ça s'appelait ce jeu avec un hélicoptère et tout Soviet ça? Strike. Ouais, mais ça porte un autre nom aussi. Il y a un autre jeu qui ressemble à ça. Bon, je sais plus, enfin bon, bref. Oui, Bon. Soviet Strike, si vous connaissez, c'était sur quoi? Sur Saturne. Saturne, ouais. Et ça ressemble à un mélange entre ce jeu-là, donc. Et comment il s'appelle? Parce que je l'ai perdu maintenant depuis que je. Oui, Pilot Wing. Pilot Wings, d'accord, Ouais, ouais. ça, tu vois, tu Un trouves peu, que. ouais, Ouais. un peu mélangé deux, ouais, c'est pas faux. Ça, Alors, donc, alors qu'est-ce qu'on a comme truc là? Donc, ouais, c'est cette photo-là te dit rien à toi. non. Non? T'as déjà Quoi? vu Die Hard 3, le film? D'ailleurs, 3, putain. Qui se Oui, passe je à New l'ai vu York et en tout là. effet, et non. Et bah, alors peut-être que c'est une coïncidence, mais en tout cas, j'ai l'impression c'est l'actrice qui fait la femme du méchant dans Die Hard 3. Oh, j'ai trop une mauvaise mémoire des visages ou ce genre de truc Bon pour me voilà, rappeler de ça. alors ceux qui ont vu le film, Mais peut-être qu'ils vont ouais, connaître. en effet, mais je l'ai vu, mais il y a très longtemps, donc Alors du donc coup. aussi, attends, alors attends, américain, 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 anglais, américain, japonais, russe. Donc c'est un jeu très américain. Oui, j'ai cru voir. Allez, on va prendre le japonais. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Voilà. Alors, en tout cas, un hélicoptère, en fait, pour le japonais, qui est basé sur un avion. Enfin bon, allez savoir pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Je vais même pas. D'accord. Ouais, bon, faut bouillave des installations radar. Dans la zone ennemie. Ouais, bouillave. Bouillave, c'est écrit comme ça en anglais, c'est de la traduction géniale. Bon, bah. Ah, tiens, on peut Tu vois, choisir. regarde, tu peux choisir ton bouillaveur. Mon bouillave. Attends, on a 100 000. D'accord. Ouais, t'as la version bouillave à 1000 balles. Ah non, c'est avec la croix. Ah bah tiens, on a trouvé un des rares jeux qui utilise la croix, dis donc. On a bien fait de pas prendre la manette sans le bouton L. Si on utilise aussi le bouton L. Ouais, si ça se trouve. On est parti pour acheter tout ce tas de bouillaveurs. Alors si ça utilise la croix pour un jeu 3D, ça serait bizarre. Ok. Le Ouais, c'est sûr stick. que si pour un jeu 3D ça utilise la croix Javel, c'est pas terrible. Alors attends, alors. Ah, c'est pour changer d'arme. Ce qui est pas très. Z pour tirer, bon ça va. Ouais, jusque-là ça va. Et pour accélérer. Et pourquoi dans le menu on doit utiliser l'autre côté de la manette? Bon, il s'étouffe. Il prend la manette à ta Attends, place. Il est mort. attends, tu Attends, cours. je vais essayer, c'est n'importe quoi. Et Alors. il faut appuyer sur. Attends, et elle est. J'ai fait quoi? J'ai lancé. Oui, t'as lancé un missile avec L. D'accord, donc Z c'est la mitrailleuse. Donc ça se tient comme ça, c'est pas possible. Et comment tu fais pour monter en altitude et baisser en altitude? C'est possible au moins? Putain! Et attends. Mais on doit utiliser toute la. Il faut trois mains? Attends, on a trouvé une idée, tiens, prends ces deux parties-là et moi je prends celle-là. Non, c'est pas pratique, on va faire comme ça. T'as changé encore la vue là, si tu peux. Oui. Alors faut aller où? Ah Et oui, attends. c'est un jeu fait exprès pour les incroyables défis, non? Je crois, ouais, on dirait. Tu me dis si je dois mitrailler vu que t'as plus faire les mains pour. Si, bah j'ai. Ça fait double mitraille en fait. Regarde, appuie sur les deux à la fois. Ah non, ça sert à quoi le A? Mais ça, c'est pour changer d'arme là-haut. Ah, c'est pour changer d'arme. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Faut vraiment avoir utilisé toute la manette. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Et change encore de missile là? Ouais. A et B font changer dans un sens ou dans l'autre, regarde. Ah oui, attends, on peut verrouiller. Ah oui, voilà, Voilà, c'est les oui. missiles à tête Et pour chercheuse. le lancer, c'est le bouton L. C'est elle. Oh putain, non mais. Et qu'est-ce qui. À quoi il sert R? À rien, heureusement. Et. Ah, ils montent en. Ouais, ils montent tout seuls en altitude, à ce que je Bah oui, vois. mais c'est bête, on n'a pas toujours envie de raser le sol. Si tu Enfin, ah, c'est. Ah, mais c'est. Ah, déjà qu'à l'époque, c'était considéré vraiment comme un jeu vraiment moyen. Oh mais là franchement c'est n'importe quoi. Non mais c'est rien que les contrôles sont pourris. Devoir utiliser la troisième partie de la manette. Qui est jamais utilisée Et... d'ailleurs. Non mais surtout utiliser les trois à la fois, merde. Les trois à la fois.
Tant t'as des gens à bouillaver au sol. Oh purée, c'est qu'en plus il faut viser n'importe comment pour que ça vise bien, quoi. Et puis en plus, le nouveau stick n'est pas vraiment, parce que c'est un peu sensible, je sais pas si vous voyez comment je galère un petit peu. Ouais, non, mais enfin, je pense que ça doit être chiant aussi avec l'original, hein. Ouais. Surtout avec le jeu de l'original, je sais pas comment tu peux... Attends, il y a un mec là, il y a un mec au sol là. Tu vois là, on voit... Je le vois. Enfin, il est bien camouflé, hein. Bah oui, le sol l'est bien, je crois. Il est camouflé vraiment dans la bouillasse. Et j'arrive pas. La bouillasse de la bouillave de la N64. Putain, on comprend rien à ce qui se passe dans ce jeu. Et puis en plus, ce qui est génial, c'est que tu vois rien, quoi. Tu vois ce qu'il y a au sol, quoi. Tu vois rien, ce qui est devant. Oui, c'est. Oh, c'est classe. Alors attends, donc il y a une carte, je vois pas trop où sont nos objectifs. Même en plus, la carte ressemble à une bouillie de pixels, ouais, à deux balles. Ah, c'est peut-être les points blancs. Ouais, ça doit être ça. Putain, mais j'adorerais monter. Non, c'est juste là. Ah putain, rien. Tu vises un endroit au sol et puis le missile va quand même tout droit. C'est quand même débile, ça, je trouve. Bah oui. T'es obligé de faire pencher l'hélicoptère, quoi. Je sais pas à quoi ça sert de faire péter ce que t'es en train de faire péter. Bah c'est la mission, je crois bien, je crois que c'est les... Ah bon, c'est les radars, ça? Ça ressemble pas à des radars. On dirait plutôt à une station de comment dire, tu sais, pour... De décollage, oui. Oui, ou d'atterrissage d'hélicoptère pour les hôpitaux. Ouais, c'est ça, oui. Marave, là. Vas-y, marave, t'essayes de bouillard. Mais les commandes sont tellement compliquées que c'est assez... Attends, si tu veux, je prends le joystick. On va voir ce que ça... Parce que je suis curieux de savoir ce que ça donne au niveau de la sensibilité. Mais c'est le stick, on a dit, n'aide pas, vu qu'il peut y avoir des tirs. Ça, c'est les tirs. Tu me dis si tu veux que j'avance ou pas. Ouais, non, vas-y, avance-moi où tu veux que je... Où tu penses que c'est le plus... Wow, putain, oui, c'est sensible. T'as vu, ouais, c'est... Enfin, là... Enfin, c'est ultra sensible. Waouh, je fais bouillave. Ouais, il y a... C'est ça, oh. les trucs que tu dois abattre. Ça correspond pas au point blanc, enfin c'est même pas clairement indiqué. Non, c'est pas clairement indiqué. Ah, vise le chat. J'essaye. Oh mon dieu, on se croirait, tu sais, dans le 007 de l'autre fois. Ah, et encore, c'était jouable. Putain. C'est un avion-coptère. Mais oui, ils ont pris un espèce, c'est le truc japonais, j'ai l'impression qu'ils ont pris l'avion zéro, là, oui, le fameux, exactement, oui. Et qu'ils en ont fait un hélicoptère. Et qu'ils en ont fait un hélicoptère. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Je te rends ça parce que je suis encore plus nul à deux. Oh mon dieu. Ah non, mais c'est... Attends, le pouce, regarde. Si tu attends trop longtemps, ça te le met en... Ouais, j'ai validé. Oui, je me disais. C'est complètement débile, quoi. On a les mains là, et puis il faut aussi pour changer d'arme. C'est. Oh là là, c'est trop foireux. Contrôle. Oh bah voilà, essaye l'autre truc. Non, en tout cas, par défaut, c'est en left. Enfin, c'est débile. C'est complètement débile. Bah, surtout quand même pour un gaucher, voilà, c'est pas non plus hyper pratique, je pense, de devoir... Non, c'est nul. Non, mais c'est surtout qu'à mon avis, ils veulent pas dire gaucher-droitier, ils veulent dire la droite de la manette ou la gauche de la manette. Mmh. C'est vrai, c'est un peu pourri. On va changer, ça se trouve, c'était pas la même mission. T'as pris un autre pays? J'ai pris, ouais. Et donc, c'est la même mission, a priori, non? Attends, on va voir. Bah, je sais pas, le texte met trois plombes à venir, mais... Si, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Bon, en tout cas, c'est pas un jeu génial. Tu peux même t'arrêter au début, c'est pas un jeu. On comprend pas très bien. Ah, la l'antenne. Oui, un radar... Camouflé. Tu crois qu'il peut émettre radar comme ça? Radar camo. Ouf, il y a pas de raison qu'il... Bon, déjà, c'est beaucoup plus jouable comme ça, honnêtement, là, déjà, c'est... Oui, comme ça, oui. Ah oui, c'est beaucoup plus confortable. Bah, surtout quand on... Enfin, voilà, c'est... Bah, déjà, ça correspond plus à la partie de la manette qu'on a l'habitude d'utiliser, donc déjà, ça désoriente moins. Et en plus de ça, t'as les boutons pour changer de... Comment dire, de... C'est pour changer de différentes armes, là, plus facilement d'accès, ouais. Quoi. Là, c'est n'importe quoi, sinon... Je sais pas pourquoi ils ont... Enfin, bon, ouais. Mon dieu, et si on se faisait un F-Zero? J'avoue, la musique, il fait un peu penser, d'ailleurs. Oui, bah, c'est... Un peu rock et tout. Oui, non, mais oh, si c'est pas bien, mais... J'en ai marre. En plus, il y avait je crois qu'il y avait la fonction dans les menus pour changer... Ouais, c'est ça. Ah, on peut changer direct, ouais, c'est pour ça qu'on... Ok, bon. Quitter. Hein? Bon, il y a peu de jeux, franchement, qui peuvent se targuer d'être aussi nuls. Pourquoi on n'arrive pas, peut-être avec Star? Oui. Très intuitif, une fois de plus. Ah, on va le laisser faire ça. Ouais, on va lui laisser donner la note au jeu. Est-ce qu'il est bon ou pas?
Ouais, bah, je crois qu'il va pouvoir nous le dire nous-mêmes. Malheureusement, il se fait attendre, comme tous les bons critiques. Ça se trouve, ça fait même pas non, hein. Ah, ça tourne jusqu'à ce que tu fasses... Non, je suis sûr que c'est tout en bas, et puis ensuite, ça s'arrête. C'est un écran de continu. À moi qui tourne en rond, comme ça, comme la tête de Mario, tu sais, c'est un truc 3D. Bon, on dirait. Ah si. Non, je m'en doutais, voilà, il a donné la note au jeu. Voilà, c'est de la bouse. N'achetez pas ce jeu. Alors moi, je crois que ça va sans dire. Hein. Franchement, là, oh là là. Alors, nous vendons un hélicoptère d'occasion qui a un peu servi, certes. Et toute la carrosserie est à refaire parce que... Pour pièce. Voilà. Oh là là. À venir chercher sur place. Enfin bon, bref. Allez, salut. Salut. Ah, Seta, c'est moins fort que Midway. Toi. Midway, putain. Ils sont connus pour des jeux de merde. Non, mais t'as Seta, Midway et GT, quoi. C'est magique.